Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séquence de renforcement musculaire. Je suis Omar Ekli, préparateur physique pour Montreuil. On va partir aujourd'hui sur une séance spéciale débutant où on va voir plusieurs mouvements de renforcement musculaire poids de corps avec les erreurs à faire, l'exécution correcte pour améliorer vos performances. Juste avant de commencer, n'oubliez pas votre équipement, donc bouteille d'eau, serviette et tapis, une tenue correcte adaptée aux exercices. N'oubliez pas d'adapter l'intensité à votre forme du moment, à vos capacités. Buvez régulièrement avant l'exercice, entre les séquences et surtout en cas de douleur, arrêtez l'exercice et consultez votre médecin. Pour l'échauffement spécial débutant, reprise, on va partir sur des mouvements de montée de genoux simples, basiques, d'accord ? Et après, on partira sur des montées de talons et puis sur des jumping jack basiques, d'accord, et de la corde à sauter. Allez, vous êtes avec moi, on est parti. Allez, on va monter juste 3, 4, 5. Vous voyez, je vais poser la main opposée sur le genou pour améliorer ma motricité, ma coordination. Très bien. Bim. Très bien. Encore. Tac. 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 Là, pour l'instant, on fait marcher tranquillement. Là. Là. Soit je mets les mains sur les hanches. D'accord? Talon-fesses. Ou sinon, je n'ai pas... Je mets les mains en coordination. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Très bien. Là, jambes serrées, je décale, je reviens. Je décale et je reviens. Très bien. Très bien. Très bien. Sur la corde à sauter, si vous ne pouvez pas sauter, vous décollez juste là. Les talons et vos retombées, d'accord? Doucement, en gardant les pointes de pied toujours au sol. Très bien. Voilà, juste des mouvements de rotation d'avant-bras. Tranquille. Donc aujourd'hui, ça va être une séance plutôt d'initiation, spéciale débutant. Et après, si vous avez l'habitude de travailler avec moi, bah, n'hésitez pas à augmenter votre niveau, votre intensité, d'accord? Très bien. J'écarte. Rotation. Très bien. Arrière. Très bien. Très bien. On se tire sur place. On remonte les genoux doucement. On va déposer, là j'augmente le rythme, d'accord, tout à l'heure on était sur du marché, là je cours sur place en allant chercher avec la main opposée, la jambe opposée, main, jambe opposée. Très bien, très bien, là je monte les talons, on fait la même chose. Pareil, si vous n'êtes pas chaud, vous revenez à l'étape d'avant. Allez, là, je peux marquer des temps de pause si je n'ai pas l'habitude de le faire, d'accord? Sinon, si vous avez l'habitude, là, bon. Alors, pensez à bien descendre les coudes, monter, toucher les mains là-haut et descendre les coudes au niveau des côtes. Très bien. Là, pareil. Là, pour l'instant, je ne saute pas. Mais si vous voulez sauter, pieds joints, on saute. Et là, main, rotation. Continuez. Continuez, le micro est parti. Allez, on continue. Donc, soit je reste sur place parce que j'ai du mal à coordonner et je continue la rotation sur les bras. D'accord? Soit je saute en même temps.
arrière. Très bien. Des grands mouvements. Ample, souple. Pour l'instant, je ne mets pas de vitesse. Hein. Vous avez vu, hein? Arrière. Pareil. Si je peux pas sauter en même temps, parce que je suis pas encore coordonné, des grands mouvements. Et là, vous devez sentir. Allez, on monte les genoux maintenant. Et là, on va... Vous avez vu, j'ai supprimé la pose des mains sur les genoux. Du coup, j'engage les bras en opposition. Là, 1, 2. Et là, un peu plus. Là, je monte un peu plus les talons vers la fesse. D'accord? Allez, vous me suivez? Bim. Très bien. Là, je décolle un peu plus. Là, j'augmente au niveau de l'amplitude des mouvements. Allez. Tac. 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 Très bien. Ça va pour vous? Donc, ce que je vous propose, c'est travailler sur 10 secondes les 4 mouvements qu'on vient de faire, d'accord? Montée de genoux, talon-fesses, jumping jack, corde à sauter. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. On va essayer de les répéter 3 fois. Prêt? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc là, je vous propose cette façon de travailler. Mais si vous ne pouvez pas me suivre, c'est pas grave. Vous reprenez les mouvements basiques. Hein. Vous me suivez sur le timing, sur le temps. Par contre, voilà, sur 10 secondes, vous faites à votre niveau. On va repartir. Allez, on fait 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Allez, corde à sauter, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Désolé, problème technique. On va repartir. Allez, dernière séquence. On essaie de tout donner pour l'échauffement. Et après, on est bon. On pourra passer à la suite. Vous allez assez récupérer. Prêt? Allez, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ok, très bien. Pour l'échauffement, petite pause et on enchaîne. Ok, très bien. Donc
va passer à la suite. Aujourd'hui, on va voir le burpees. Le burpees est un exercice de musculation hyper complet. Vous allez pouvoir travailler, renforcer vos muscles, travailler votre système cardiovasculaire et aussi brûler de graisse. Donc, par contre, cet exercice est polyarticulaire, donc il va utiliser plusieurs articulations et utiliser de manière intense peut être dangereux. Donc, d'où la nécessité de bien exécuter les mouvements. De toutes les manières, là, je vous l'ai démontré, je vais les décomposer et pour aller à la suite sur un exercice, sur un mouvement complet. Donc, au niveau des renforcements, du renforcement du burpees, comme je vous dis, c'est un exercice d'excellence. Donc, il va permettre de nous renforcer les bras, donc les muscles de l'épaule, notamment le deltoïde, les biceps et les triceps. Vous allez muscler aussi les jambes lors de l'impulsion, mais aussi lors du mouvement du squat. Donc, on va solliciter les fessiers, les quadriceps, les ischios, les mollets. Et on va aussi mieux solliciter les muscles du tronc, notamment lorsqu'on va passer sur la planche. Donc, ce qu'on va voir après, on va muscler la ceinture abdominale, les pecs sur la pompe. Donc, mais attention, je vous ai montré les bénéfices, donc qu'ils soient brûleurs de calories, renforcement musculaire et endurance musculaire et amélioration du système cardiovasculaire. Donc ça, c'est les bénéfices. Par contre, il y a 5 erreurs à ne pas commettre. On va les voir pour ne pas se blesser. Sur l'exécution du mouvement, la position de départ et le mouvement de squat. D'accord ? Très bien. Pour réaliser ce mouvement, donc vous allez écarter les jambes largeur du bassin. Vous allez descendre, donc d'abord les jambes légèrement orientées vers l'extérieur, à peu près entre 15 et 35 degrés. D'accord ? Pas trop parallèles. Et surtout pas rentrer, d'accord. Quand vous allez descendre, vous allez penser à orienter les genoux vers les orteils, d'accord, vers légèrement vers l'extérieur. L'erreur que font beaucoup, donc, c'est de par peur de tomber ou par méconnaissance, donc ils ont tendance à rentrer les genoux vers l'intérieur, d'accord. Donc là, du coup, lorsque je fais ce mouvement, j'exerce un certain stress au niveau des articulations du genou. Donc, ce que vous devez faire, c'est ouvrir légèrement sur les extérieurs, d'accord. Et au moment où je descends, d'accord, je fixe un point avec mes yeux. Avec mes yeux, j'envoie les fesses vers l'arrière, d'accord, et je mets les mains devant pour m'équilibrer. Donc là, je suis en position de squat. Du coup, ça, c'est la première posture. Donc, une fois que je suis à ce niveau-là, je pose les mains juste sous mon torse, d'accord. Et là, bim, j'envoie et je reviens et je saute. Donc là, ce que je vous montre, ça, c'est le burpees de référence, d'accord. Après, juste, on va aller avoir les adaptations. Donc, on va mettre les variantes. Donc, pour les experts et les débutants. D'accord. Donc, juste, je remonte. Donc, je fléchis, je pose les mains au sol, j'envoie et je m'arrête, je gaine. Et je reviens, je saute. Avant de partir, pensez donc à votre inspiration et surtout à mobiliser votre ceinture abdominale. Là, lorsque je descends, je contracte mes abdos, je contracte mes abdos, je protège mon dos, d'accord. Je pose et là, bim, je bloque. Et là, je sollicite mes abdos, je les protège, je protège mon dos, d'accord. Donc, ça, c'est le niveau burpees de référence. Maintenant, on va passer au niveau débutant. Donc, pour ceux qui débutent, ceux qui n'ont pas l'habitude de réaliser ce mouvement, donc je refais la même chose. Je fléchis, je pose mes mains, et là, quand je suis à ce niveau-là, j'envoie mon pied
droit, puis mon pied gauche, et là, je reste en position planche. Vous avez vu, super important la position planche là. Donc, pour la planche, vous avez quelques points essentiels à respecter. Donc, pensez tête, épaule, hanche, genou, cheville. Donc, lorsque je suis en planche, comme vous avez vu, je suis aligné. D'accord ? Je vous montrerai les erreurs à faire juste après. Donc, du coup, je reviens à ma variante. Donc, j'étais là au point de départ. Donc, je fais 1, 2, 3, 4. Et je remonte. Je lève les bras. Si je peux, je décolle les talons. Ou sinon, je peux sauter légèrement. D'accord ? Inversement. Donc, soit vous commencez par le pied droit, pied gauche. Deuxième variante de ce niveau-là, c'est je refais la même chose. Je pose les mains, j'envoie jambe droite, jambe gauche. Mais là, au lieu de revenir jambe droite, jambe gauche, je reviens les deux pieds joints. Et là, je pousse et je reviens et je saute. OK ? Ou inversement, je saute à l'aller et je reviens pied droit, pied gauche. Donc, je vous le montre. Je fléchis, je pose les mains, je saute, je gagne, je suis en position planche, je reviens 1, 2 et 3. On est bon ? Donc, ça c'est pour le niveau débutant. Maintenant, on va passer aux complexifications. D'accord ? Première, donc on va refaire le mouvement de burpees. Et là, je descends, je vais poser carrément mon torse au sol. Donc, vous avez la possibilité soit d'écarter les bras, soit juste de toucher et de revenir. D'accord ? Allez, on est parti. Donc, je fléchis, j'envoie, je descends, j'écarte. OK ? Vous avez vu, hein, quand je descends, j'essaie de coordonner la descente avec l'envoyé de jambes. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Donc certains feront, je pose les mains, puis j'envoie les jambes, je descends. Vous pouvez le faire. Si vous débutez, vous pouvez le faire. Mais sinon, l'idéal, c'est de coordonner la descente avec l'envoi des jambes. Donc en gros, je suis là, et bim, et je recoordonne la montée. D'accord ? On est bon ? Ça, c'est le niveau 1 de la complexification. Le niveau 2, c'est la même chose, sauf que là, je descends en pompe et je m'arrête à ras du sol. La pompe ne touche pas le sol, le torse ne touche pas le sol. Et là, ce mouvement, il est vachement consommateur d'énergie. Vous allez voir, dès que vous allez répéter 5 répètes, vous allez souffler. Hyper cardio. Donc, pareil, je descends, j'envoie et... Je recommence. Bim. On est bon. On va complexifier les choses. Petit rappel. On verra dans les erreurs après. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire la même chose. On va augmenter le niveau. Donc là, on a insisté sur le haut. Maintenant, on va insister sur le bas. Donc la même chose. Je descends, je fais pompe, je reviens, je monte les genoux. Donc ça fait... Bim, bim, bim. OK. Après, pour d'autres variantes, on peut faire la même chose. Je viens, je monte, j'écarte les jambes et les bras. Donc ça fait bim, bim. Est-ce qu'on est bon ? OK, très bien. Maintenant, je vais vous montrer les erreurs à ne pas commettre. Donc, une des premières erreurs que vous allez faire, c'est je fléchis, je mets les bras loin devant. Donc, soit loin devant, d'accord ? Soit trop écarté. Donc, soit trop écarté, soit trop loin devant. Il faut savoir que si vous envoyez les bras super loin et que vous n'êtes pas préparé au niveau musculaire, ou trop écarté, on va engendrer un stress hyper important sur les coups, sur le cou et les cervicales. Donc très dangereux. Donc d'où la nécessité
de bien poser les bras juste devant. Ok, juste en dessous. Et pas aller trop loin. Donc la deuxième erreur, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les genoux ne doivent pas rentrer vers l'intérieur. D'accord? Jambes légèrement pointe de pied vers l'extérieur. Les genoux vont vers la pointe des pieds, vers les orteils, pardon. Et le genou ne doit jamais donc, ne pas rentrer et ne pas avancer. D'accord? La pointe du genou ne doit pas dépasser la pointe des pieds. D'accord? Quand je descends, là quand je suis en squat, on va le voir sur le mouvement de squat, mais là je descends, hop, très bien. D'accord? Et sur le mouvement de gainage, super important. Donc quand je fléchis, je pose, j'envoie mes jambes derrière, à aucun moment j'ai le dos creux. Souvent l'erreur de la majorité des débutants, c'est ce qu'ils font. Donc ils sont là et bim. Là, pareil, stress excessif au niveau des lombaires. Voilà. Donc, est-ce que le dos creux, donc ouais, sur le saut, c'est hyper important. Donc quand vous revenez, vous sautez. Par contre, la réception commence par la pointe des pieds et termine sur les talons. Donc je suis là, comme sur le mouvement de corde à sauter, d'accord, jumping, que je vous ai déjà montré. Donc je pose les talons, je pose la pointe des pieds et je termine avec le talon. D'accord, donc ça fait ça. D'accord. Pourquoi? Parce que là, lorsque vous allez sauter, vous allez emmagasiner un maximum de force. Si vous posez le talon, la force emmagasinée va être restituée au sol et va créer des vibrations et va créer des contraintes sur les articulations. D'accord? Donc très mauvais. Par contre, si la réception se fait sur la pointe des pieds, là, l'énergie emmagasinée, au moment de la réception, va être restituée à la partie élastique, donc va être emmagasinée par la partie élastique du muscle et va optimiser nos muscles, donc améliorer notamment notre détente. D'accord? Donc, j'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié, je vais revenir. Je vais recommencer les explications lors de l'exercice. Donc là, on va partir sur 6 répétitions de burpees. On va faire du 15-30, donc 15 secondes de travail et 30 secondes de récup. Donc un temps de travail, deux temps de récup. Comme vous savez bien, moi j'aime bien travailler avec le temps. Comme ça, ça permet à chacun d'entre vous d'adapter son intensité, sa capacité. D'accord ? Donc travaillez bien en fonction de votre forme du moment. Si vous voulez en faire 5 sur les 15 secondes, vous en faites 5. Si vous voulez en faire 10, vous en faites 10, etc. Donc adaptez vraiment l'intensité à votre forme et à votre niveau, évidemment. Donc j'envoie, je mets la musique et j'envoie. Allez, go. Je reviens, je souffle. D'accord, faites attention de ne pas partir. D'accord, là, je suis là. Bim, je gagne. Très bien. Souvent, les erreurs se font quand on est fatigué, quand on manque d'attention. D'accord, c'est là qu'arrivent les blessures. Donc, concentrez-vous sur votre mouvement. D'accord. Bien concentré. Je descends, j'envoie jambe droite, jambe gauche ou les deux en même temps, c'est vous qui voyez. D'accord? Vous travaillez selon vos moyens. Allez, on descend carrément. Yeah.
Je suis au niveau supérieur. Allez, pour ceux qui sont un peu plus aptes, on va faire celui avec les pompes. Restez vigilants sur l'envoi des pieds derrière. D'accord ? Allez, je vous laisse vraiment le temps de récupérer. Allez, go ! Bim ! Très bien. Vous êtes bon. On est là. Normalement, si vous faites, le cœur il prend un coup là. Surtout quand vous intégrez la pompe. Parce que je vous dis, la pompe, elle est consommatrice d'énergie. On envoie, on lâche rien. Je rappelle, pour les débutants, je fléchis, je pose les mains, jambe droite, jambe gauche. Je reviens, je saute. Ou inversement. Bim. Après, on peut tous les faire sur la séquence. Il nous en reste quelques-unes. Là, je descends, j'écarte les bras, je remonte, je touche. Allez, alors, j'espère que chez vous ça se passe. On continue, on lâche pas. Adaptez vraiment l'intensité, le nombre de répètes. Hein. Vous êtes fatigué? C'est pas grave. Arrêtez-vous, reprenez après. L'essentiel, c'est que vous sentez que vous travaillez. Et le plus important, c'est de ne pas se blesser. Allez, go! Variez, testez tout, comme je fais, si vous pouvez évidemment. Allez, on va faire pompe, on va écarter. Pile. Cœur, il monte, le vôtre aussi, c'est que ça travaille. Allez, on lâche rien. Très bien. Allez, je vous laisse récupérer. On récupère et on passe à la suite. Thank you.
Très bien, on va passer au mouvement suivant. Le squat. Mouvement de, par excellence qui va vous permettre de renforcer toute la chaîne, tous les membres inférieurs. D'accord ? Fessiers, quadriceps, ischio, mollet. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les jambes légèrement écartées, les pieds légèrement écartés, largeur des épaules, légèrement orienté vers l'extérieur à 15 degrés. Quand vous allez descendre, vous allez fixer un point avec les yeux, vous allez envoyer votre bassin vers l'arrière, votre hanche, d'accord ? Et avant de partir, j'inspire, je gaine, d'accord ? Je contracte mes abdos pour protéger mon dos et je descends en ouvrant les genoux sur les extérieurs et non vers l'intérieur. D'accord ? Comme je vous disais tout à l'heure, ne pas ramener les genoux vers l'avant et vers l'intérieur. Ok, on est bon de ce côté-là. Donc on va exécuter. Je me mets au fil. J'écarte les jambes, légèrement orientées vers l'extérieur. Je fixe un point devant et j'envoie mes hanches vers l'arrière. J'inspire, je gaine. Je garde le dos droit. Je mets les mains devant pour m'équilibrer. D'accord ? Donc, je repars. Et là, je garde le dos droit. Je reviens. Quand je reviens, je peux avancer légèrement le bassin pour m'aider après à pousser vers l'arrière. Yep. Et après, selon votre mobilité, certaines pour votre équilibre, ça demande un peu d'équilibre, bah vous pouvez descendre juste à ce niveau-là. D'accord ? Vous allez voir, à force de le répéter, vous allez gagner en équilibre, en stabilité. Et vous allez descendre progressivement. D'accord ? Hop, on descend progressivement. Là, pensez à garder le dos droit. Quand on dit garder le dos droit, c'est respecter sa courbure naturelle. D'accord ? L'erreur que certains font avec le dos, c'est quand ils descendent, ils ont le dos rond comme ça. Voilà, dos rond. D'accord ? Ou encore, même certains en gardant le dos plat, ils ont tendance à avancer les genoux. D'accord ? On n'avance pas les genoux, on ne décolle pas les talons non plus. Donc je ne suis pas là sur la pointe des pieds. D'accord ? Sauf si vous êtes sur un sport de combat, mais ça c'est particulier, spécifique à l'activité. Mais là, je descends de droit. D'accord ? Yep. J'essaie de descendre le plus bas possible. Et je remonte. Ok ? Si vous avez vraiment du mal et vous avez... Vous n'êtes pas à l'aise, vous avez les talons qui montent. Ou si vous n'arrivez pas à descendre bras, bas, bah vous prenez un support. D'accord ? Voilà, je vous ai pris manche de balai. Vous prenez tout ce que vous pouvez trouver qui est un peu surélevé. Et là, je vais poser mes talons dessus. D'accord ? En voyant bien que ça ne glisse pas. Parce que le but, ce n'est pas de vous blesser. Donc là, le fait de relever légèrement les talons va m'aider à descendre plus bas. D'accord ? Je fixe devant, j'inspire, je descends, je balance mon bassin, je lève mes bras pour équilibrer. Et là, je peux même descendre plus bas. D'accord ? Grâce au bâton. Et là, je reviens. D'accord ? Là. Ok ? On est bon ? Une autre aide. Si vous pensez vraiment, vous avez peur. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est tenir un support fixe, d'accord ? Comme ça, quand vous descendez, vous le tenez et là, ça va vous aider, d'accord ? Ou dans l'autre cas, si vous êtes à deux, il y en a un qui tient les mains et l'autre qui descend, d'accord ? On peut le faire. On est parti, c'est pareil, je vais mettre 8 séquences, musique et on démarre maestro. Tic-tac, tic-tac. Allez, on va partir sur les squats. Prêt ? Allez, vous en faites autant que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5.
Très bien. Pour ceux qui mettraient ce geste et qui trouvent que c'est trop light, donc soit vous augmentez l'intensité, soit on peut varier. Donc là, je suis là, je descends, bim, je vais chercher. D'accord? Ou encore, celui qu'on a l'habitude de faire, j'ai les jambes écartées, serrées, et là, j'écarte, je reviens. Ok? Comme vous voulez. Là, si vous voulez varier. Voilà. Là, pour les squats, on a une multitude de variantes qui vous permettent de travailler et d'éviter de vous ennuyer. Donc, vous avez aussi la possibilité d'écarter carrément, d'accord, ce qu'on appelle le squat sumo, et descendre, d'accord. Je descends, le dos droit, et je remonte. Vous avez aussi la possibilité de faire le squat jump, ou pour ceux ou celles qui peuvent pas sauter, squat, je finis sur la pointe, d'accord. De toute façon, on va aller voir les squats. On va en faire, comme je vous dis, de multiples variantes. Je descends, je monte. Pensez de droit. Allez, j'inspire, je descends. De droit. Attention, les genoux ne... Rappelez-vous, le genou ne dépasse pas la pointe des pieds. Les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. Le dos droit, je descends. Je contracte les abdos, j'inspire, d'accord. On descend, on essaie d'être le plus parallèle possible au sol, au niveau des cuisses. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes là, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous sentez que vous travaillez. D'accord, là, je suis là. Là. Là, c'est bon. Si vous descendez, on descend. Voilà. Gardez. Gardez. Très bien. Super. Allez. Squat jump. Squat latéral. Allez, on descend, squat, bim, 1. Squat, montée, jambe, 1. Voilà. Et après, je vous l'ai dit, hein, si vous avez la pêche aujourd'hui, accélérez. Là. Très bien. Celui-là est une variante du squat jump. Parce que le squat jump est consommateur d'énergie, parce que sur sa forme explosive, ça demande beaucoup d'énergie. Très bien. Vous avez aussi la variante des jambes serrées et je descends. D'accord? Là. Pareil sur la réception des jambes, vous avez vu, hein, d'abord les talons, la pointe des pieds et je finis par les talons. Et pareil, impulsion avec la pointe des pieds. Et je devrais même vous dire, lorsque vous posez, en fait le talon n'est jamais réellement posé. Il est à ras du sol, on peut faire passer une carte bleue ou une autre carte de fidélité, ce que vous voulez. Donc en fait je descends, mais elle est rarement collée au sol. Donc quand je réceptionne, je fais ça. Et rarement au sol. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sur 15 secondes, ça fait à peu près, allez, un tout petit une seconde, environ, on peut encore accélérer. Allez, vous êtes chaud, vous êtes avec moi, on lâche pas.
Et n'oubliez pas de mettre des commentaires si vous trouvez que c'est trop facile, c'est trop dur, si vous avez d'autres demandes. Mettez dans les coms. Et on va essayer de répondre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est bon là. Excellent. Je vous laisse récupérer. Et on va passer au gainage. Allez, vous allez boire un petit coup. Donc là, on va partir sur le gainage. Pareil, sur le gainage, vous allez voir. Donc là, dans cette prochaine séquence, ce sera du gainage statique. Puis sur la séquence d'après, on fera du gainage dynamique. Plus efficace pour renforcer votre ceinture abdominale. Très bien. Cet exercice statique va permettre de renforcer donc votre ceinture abdominale, surtout les muscles transverses. Donc c'est ces muscles stabilisateurs et les obliques. Donc ces deux muscles transverses plus les obliques. Donc stabilisateur pour les transverses. En fait, les transverses, imaginez-vous que c'est une gaine, d'accord, qui va envelopper, donc va vous permettre de retenir le ventre. Et pareil pour les obliques. Les deux vont assurer que le ventre tombe. Le grand droit, c'est pour la beauté, c'est pour le visuel. Donc, on va partir sur le gainage, pareil. Donc, position de départ. Donc là, on est sur un gainage mono-articulaire parce que on va se mettre sur les avant-bras. Donc, seule l'articulation de l'épaule, donc du coup, va être sollicitée. On va avoir une sollicitation des deltoïdes. Donc, position de départ, je suis allongé en planche et là, rappelez-vous, les points, donc là au niveau de la tête, des épaules, de la hanche, du genou et de la cheville. Donc là, sur ce gainage, important d'avoir cet alignement épaule, bassin, genou. Donc, on va partir sur sa position, voilà. Donc là, je suis gainé. Donc première erreur à ne pas faire, c'est de laisser tomber les rapprocher les omoplates, d'accord. Donc là, du coup, bah, en faisant ça, je creuse davantage le dos. Donc c'est la deuxième erreur à ne pas faire, c'est creuser le dos, d'accord. Troisième erreur, c'est d'avoir les fesses hautes. Du coup, on ne travaille pas et l'autre erreur, c'est de bloquer la respiration. Le fait de bloquer la respiration, du coup, va provoquer des points de côté et le fait de pas oxygéner votre corps, on va limiter le travail, d'accord, parce que rester en apnée, ça demande beaucoup de travail. Donc pensez à avoir un bon alignement, d'accord, pas trop creux, d'accord, pas trop haut, de droit, aligné, voilà. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'avoir ce mouvement de rétroversion. Vous avez votre bassin là,
Donc éviter l'antéversion, donc creuser cette courbure creuse, mais plutôt avoir ce mouvement d'antéversion. Rentrer, rétroversion, rentrer le bassin. D'accord ? Anté, rétro. D'accord ? Donc là, hop. Et dernière erreur à ne pas faire, bah, comme on est sur une position de gainage, bah, si vous voulez maintenir cette position stable, protéger votre dos, bah, vous devez contracter les abdos et serrer les fesses. D'accord ? Donc pensez vraiment à contracter les abdos pendant la phase de gainage si vous voulez vraiment que ce soit efficace. D'accord ? Et de contracter les fesses. Le fait de solliciter ces muscles-là va protéger votre dos. D'accord ? Allez, je mets la musique et on enchaîne. Ah, petit rappel. Petit rappel pour les débutants, évidemment. Ceux qui ne peuvent pas rester en appui donc sur la pointe des pieds et les coudes, bah évidemment, pareil, je me mets sur les genoux. Je fais ce mouvement de rétroversion, d'accord, quand je suis allongé. Donc ça ne sert à rien, d'accord, ça ne travaille rien du tout. Donc du coup, vous reculez les jambes, vous rentrez, vous décollez les pieds et vous rentrez. Là, je serre, d'accord, je serre les abdos, je contracte les abdos et serre les fesses et je me protège. D'accord, pareil, pas trop creux, gardez le dos droit. Ok, vous voyez, voilà. Après, si vous voulez laisser les pieds à plat, il n'y a pas de souci. Voilà, là je travaille, là je serre mes abdos, là ça vibre, je suis en mode vibreur, voilà. Ça travaille, les fesses sont contractées et donc ça c'est pour le niveau débutant. L'autre c'est l'intermédiaire. Vous pouvez commencer normal et terminer sur débutant. Allez. Allez, on commence. Allez, go. Pensez bien à contracter vos abdos, à serrer les fesses. Très bien. 15 secondes, ça passe vite. Donc là, je vais rajouter des variantes pour ceux qui sont un peu plus à l'aise. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous êtes là, mais par contre, on va faire attention, on va monter, on va décoller les pieds. Par contre, quand vous décollez les pieds, on fait bien attention de ne pas aller au-delà du fessier. Parce que quand vous allez au-delà du fessier, vous avez tendance à creuser. D'accord, donc ça, hyper important. Donc je reste, je gaine et je lève, j'arrive juste au niveau du bassin. Là, très bien. Comme ça me permet de toujours avoir l'alignement. Bassin, épaules, tête. Très bien. Très bien. Très bien. Vous allez voir, chez certaines personnes, quand on voit le dos creux. Mais chez certaines personnes, c'est une courbure naturelle. D'accord ? Donc, ils sont en permanence comme ça. Donc, ça ne sert à rien de vouloir les changer. On ne les changera pas, au contraire. Ça peut créer des contraintes. D'accord ? Parce que j'ai des athlètes qui ont vraiment cette courbure-là naturelle. Et ça, il faut la respecter. Très bien. On fait la même chose. Je peux avancer. Par contre, en faisant ça, ça demande une grande stabilité
Donc là, contractez bien les abdos. Contractez bien. Pensez à aligner. Très bien. Là, du coup, on peut faire 1, 2, 3, 4. On rappelle, on creuse pas. On creuse pas. On lève pas trop haut. On gagne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Et je vous le dis, hein, le plus souvent, les blessures arrivent quand on est fatigué, quand on manque de concentration, qu'on pense à autre chose. Donc veillez à bien être vigilant. Le temps de automatiser tout ça. Allez, on repart. Séquence gainage. Bim. Je suis là. Je suis fatigué, je pose. Vous avez, ça ne change pas beaucoup, hein. Ça ne change pas beaucoup quand je pose. Hep. Hep. Faut vous amuser, hein. Quand vous êtes là, poussez et revenez en position. Allez, ceux qui sont un peu plus chauds, vous pouvez rester avec moi. Après, on intégrera le dynamique. Le dynamique, on pourra avancer. D'accord ? Sur le dynamique. Et là, celui-là, il pique. Prêt ? Allez, go ! On reste et on avance. Et là, ça travaille un peu plus la mobilité articulaire de la cheville. Donc là, je reste et je suis en permanence parallèle au sol. Vous voyez, il n'y a rien qui change. L'alignement est toujours présent. Super important, l'alignement est toujours là. Pensez d'abord qualité. Une fois que le mouvement est bien exécuté, là on augmente la difficulté. Protégez-vous, protégez votre santé. Dès que vous sentez la moindre douleur, consultez votre médecin. Tout le monde n'est pas apte à faire ce genre d'exercice. Mais ils sont tous adaptables. Tous les exercices poids de corps, tout le monde peut les faire à condition que vous êtes accompagné d'un professionnel. Mais attention à la pratique individuelle à la maison ou seul. Allez, il nous en reste à peu près une ou deux, je crois. Et on pourra passer au gainage dynamique. Allez, bim. Et là, très bien. Statique. Et là, on peut rester des heures. Excellent. Excellent. Allez. Déjà un coup. On va boire un petit coup.
Très bien, on va passer à l'exercice suivant. Donc, exercice de renfort par excellence, celui-là. C'est l'un de mes préférés. Donc, c'est dans la continuité du gainage. Donc, celui-là, ce sera plutôt du gainage dynamique, ce qu'on appelle le mountain climber, communément appelé le grimpeur. Donc, position de départ, on est en planche. Donc là, on est sur une position polyarticulaire, pardon. Du coup, poignet, coude, épaule. Du coup, ce qui va permettre de solliciter pendant la phase de travail une sollicitation des triceps et des deltoïdes en contraction isométrique. D'accord ? Donc, je suis dans cette position-là. Je ne bouge pas, donc la position sous les épaules. Très bien. Et là, je vais ramener, je vais enlever le tapis puisque pour ne pas l'abîmer. Donc, je vais ramener le genou sous la poitrine. Je repars. Ça va être des mouvements de va-et-vient. D'accord ? Très bien. Donc, pendant cette phase de travail, on pense à bien garder le dos droit. D'accord ? Le dos n'est pas courbé, n'est pas creusé. Donc, garder la même position que la planche. D'accord ? Et là, je ramène. OK ? Donc, le dos droit, on ramène les jambes sous la poitrine, et on n'oublie pas de contracter les abdos. D'accord, je contracte les abdos pour effectivement les solliciter au maximum, parce que là on est sur trois types de travail. Donc soit on prend le temps d'exécuter le mouvement, donc là on renforce davantage les abdos. Soit on est sur un mouvement rapide, dynamique, explosif. Donc du coup, on va optimiser davantage le cardio en même temps que les abdos et les fessiers, les quadriceps, les ischios et mollets. D'accord ? Parce que lorsque je suis là, ce mouvement va me permettre de solliciter les fessiers et les triceps. Et lorsque je fais ce mouvement explosif, rapide, dynamique, là on est sur le travail des quadriceps et des mollets. Donc exercice efficace. Quelques erreurs à ne pas faire. Souvent chez les débutants, on remarque que la première des choses, c'est voilà, à vouloir faire ça, d'accord, ils ont tendance à faire des talons fesses. Donc là, ça n'a aucune efficacité. D'accord, ça ne travaille pas les points essentiels recherchés. D'accord. Deuxième erreur, d'accord, certains vont poser et lever le bassin super haut. Non. Pareil, si j'ai du mal à coordonner mon mouvement, je décompose, je vais doucement. Je décroche, je ramène devant, je pose. Je prends le jump, je ramène, je pose. Au pire, je pose devant, je reviens. Je pose, je reviens. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la position de départ ne doit jamais varier. Donc, l'alignement des épaules et du bassin avec le genou et la cheville ne bouge pas. D'accord ? Quand je suis là, ça aligne de l'autre côté. Et inversement. D'accord ? On verra dans les évolutions, on aura un autre gainage plus tard, on verra. Ce sera celui-là. Vous avez vu, mon dos est toujours droit. Donc, erreur à éviter. Donc, pensez à ne pas creuser le dos, avoir le dos droit. À ne pas ramener les talons fesses et à ne pas impulser. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau des muscles, ça travaille pratiquement tout. J'oublie de vous dire que ça sollicitait aussi notre psoas iliaque, extenseur,
Voilà, on va partir sur la musique et le chrono. C'est parti. Voilà, là moi je suis plutôt sur le côté explosif, cardio. Normalement on sort après ça, ça pique. Et là vous allez sentir, plus vous allez travailler, plus vous allez contracter les abdos, plus vous allez les solliciter. Donc là on est vraiment sur un exercice brûleur de graisse. Hit. Donc on travaille sur le tonus musculaire, l'explosivité, le cardio. Allez go, 1. Allez, on contracte les abdos, on contracte. Allez, on suit, allez. On lâche pas. Bim. Très bien. Il existe pas mal de variantes à cet exercice. Donc la même chose, on est en face, je ramène sur les côtés. D'accord, les obliques. On peut les tester là. Soit à vitesse réelle, soit en contrôlé. D'accord, plus le mouvement va être contrôlé, plus on va cibler le travail musculaire. D'accord, là, je suis à droite, gauche. Et là, bim. Allez, on continue. Très bien. Les variantes, il en existe de nombreuses. Allez. Donc vous avez vu hein, que ça demande une certaine coordination, une certaine agilité. Donc tous ces paramètres-là vont être améliorés au fur et à mesure. Au-delà de l'aspect cardio-musculaire, on est sur un travail de... Voilà, bim. Là, je contracte. On n'oublie pas d'inspirer, d'expirer. On ne fait pas ça en apnée. D'accord? Bim. Si je suis prêt, là, je mets de la vitesse. Contracté. Yes. Vous avez aussi une variante, ce qu'on appelle le Spider-Man Climber. C'est la même chose, sauf que là, j'ai la jambe sur le côté. Donc je ramène dans l'axe et je change. D'accord? Donc celui-là, il va solliciter davantage les obliques, surtout quand on fait rapidement. D'accord? On va essayer de le faire. Soit vous le décomposez, comme je viens de le faire. Donc soit, bim, tac, je vais chercher. Soit, bim. Très bien. Là, je décompose ou je l'enchaîne. Vous avez aussi ce qu'on appelle le snap jump. Celui-là, il est très, très cardio. Donc, on est là, je ramène les jambes ici et je repars en planche. Celui-là, si vous me le faites, excellent. Cardio. Vous sortez de là, vous êtes essoufflé. Donc ça fait ça. Bim. Là, quand j'envoie, je bloque, je gaine. Mon bassin, il tombe pas. D'accord? Faites attention. Comme je dis, l'erreur souvent, c'est de faire ça. Non. Je suis là, je bloque. Très bien. Il m'en reste combien? Thank you.
Évidemment, vous choisissez celui qui vous le convient le mieux. Rien ne vous empêche de tester les autres, mais de manière contrôlée. D'accord ? Là, je suis là. Bim. Contractez les abdos. Gardez bien le dos droit. Pas creusé. On ne ramène pas les talons vers les fesses. Et là, vous sentez les muscles. Vous sentez les muscles de l'épaule travailler. Allez, dernier exercice. Je vous fais une petite variante du dernier exercice. Donc, vous allez avoir les bras positionnés de cette manière. Ils ne bougent pas. Et vous allez faire monter un climber en essuie-glace. D'accord ? Donc, je suis là face à vous. Bim. Et là. Tac. Bim. Allez, allez. Excellent. Je vous laisse récupérer. Bah, très bien, donc j'espère que vous avez bien récupéré. Donc là, on va partir sur une petite séquence assez rapide. Ça ne va pas durer longtemps. On va refaire les exercices qu'on vient de faire. On va faire une petite série burpees, squat, gainage, mountain climber. Vous faites ceux de votre choix. On sera toujours sur du 15-30. Donc vous avez le temps d'envoyer, vous aurez de la récup après. Je mets la musique et on enchaîne. Allez, go. Très bien. Squat. Allez, encore. Encore. Squat, squat. Ça pique, ça pique. Très bien. Préparez votre tapis. Normalement, ça le fait. Vous êtes bon là. Aujourd'hui, ça a été léger en termes de travail, mais bénéfique en termes d'information. Donc là, vous pouvez revoir la vidéo, mettre pause, revoir les consignes. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. On va mettre des coms. Mettez les commentaires, mettez des commentaires si vous voulez voir d'autres exercices, si vous voulez approfondir les consignes, parce que j'essaie d'être le plus concis possible. Voilà, c'est bon ça. 15 secondes, c'est léger. Hein. D'accord ? Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est de l'initiation. Donc, on verra la prochaine fois.
lâche pas. Yep. Excellent, on en a fait plus. Très bien les amis. Très bien. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. En tout cas, je voulais vous remercier de nous avoir accompagnés pendant toute cette heure. J'espère que la science vous a plu. Vous pouvez la partager, la revoir sur la page YouTube Garde la Pêche. Sinon, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de la ville de Montreuil. Quant à moi, Coach Landers, vous pouvez me retrouver sur Snapchat, Facebook, Instagram. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et que la science vous a plu.